Dans le cadre de sa tournée provinciale annuelle, Opération Enfant Soleil a remis 9 636 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, installation du Kamouraska, ainsi qu'un montant de 9 932 $ à la coopérative de solidarité Saute-Mouton. Pour le CI3S du Bas-Saint-Laurent, cet octroi contribuera à l'acquisition d'un tire-lait électrique qui facilite l'allaitement, de deux pèses-bébés électroniques pliables qui sont plus facilement transportables lors de la visite à domicile des nouveau-nés et d'une batterie d'évaluation qui permettra de mieux suivre le développement de l'enfant. Depuis 2010, Opération Enfant Soleil a remis plus de 84 000 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, installation du Kamouraska. Quant à la coopérative de solidarité Saute-Mouton, elle a reçu un montant de 9 932 $ du Fonds José Lavigueur d'Opération Enfant Soleil. Ce fonds vise à prévenir la maladie chez les jeunes au moyen de l'activité physique et de la mise en forme. Cet octroi contribuera, entre autres, à l'acquisition de blocs de mousse, de trottinettes, de voiturettes, d'échasses, de tunnels et de poutres, soit différents équipements qui favorisent l'activité physique chez les tout-petits et qui permettent de développer leur motricité et leur équilibre. À ce jour, près de 1,6 million de $ a été attribué dans la région du Bas-Saint-Laurent afin d'offrir les meilleurs soins aux enfants ainsi qu'une qualité de vie optimale en période d'hospitalisation grâce à l'aménagement d'espaces favorables à leur guérison. Karel Oud-Hébert, pour le réseau de télévision CEMA TV, à Montmagny.